là. On va jouer un vrai jeu, est-ce. Un vrai jeu, est-ce. Un vrai jeu avec de la testostérone, de l'action, whenever. Voilà, les potes, là, ça fait plaisir. Là, enfin, je joue un vrai jeu. Là, enfin, j'en ai pour mon argent, là. Là. Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, Gizmo64. Aujourd'hui, les amis, petite vidéo. Petite vidéo, franchement, d'un jeu qui fait plaisir, d'un jeu que ça tentait de faire parce que je voulais streamer Chia, mais waouh, c'est un nom de Chia, vraiment, c'est waouh, je comprends pas pourquoi ce jeu, franchement, est sorti sur Xbox, franchement, il aurait pu rester sur Switch, mais bon. C'est parti. On découvre maintenant un vrai jeu, franchement, un vrai jeu avec l'action, la chicle et du molard, un jeu comme on les aime, quoi. Un jeu de même, un vrai jeu, est-ce, un vrai jeu, non, mais waouh, c'est... Quand je vois des jeux comme Chia, c'est... Ah, et puis en même temps, les potes, pourquoi ça me tentait de vous faire ce jeu-là, franchement, parce que c'est la première fois que je lance le jeu sur Series X. On va voir qu'est-ce que ça donne sur Series X. Voilà, jouer en solo. Ouais. Nouvelle campagne, ouais. Voilà. On va voir ce que c'est que ça donne sur CUX. Let's go, honnêtement, je suis chaud, vraiment, là. J'ai joué à Chia. Chia, ça m'a énervé, voilà. Moi, honnêtement, les petits jeux QQ, honnêtement. Non, mais sérieux, c'est honnêtement... Je comprends un peu pourquoi les joueurs PlayStation sont vénères, un peu. Jack, pète la porte! Tiens, t'es ici, toi? Je viens te chercher. Mais ça, tu en auras besoin. Tu vas t'attirer des ennuis en faisant ça. Plus maintenant. Ça a bien changé. Il faut y aller. On fait quoi des autres détenus? On peut pas les laisser là. Déjà libre. Hoffman a tout pardonné. C'est vrai. Te revoilà dans les rangs, soldat. Bordel. Allons-y. Ah, mais Chris, ça change. Sérieux, ça change. On a le choix. On peut retourner par où je suis venu, par les quartiers des gardes. C'est long, mais c'est sûr. On peut aussi passer par les cellules, mais ça va chauffer. Tu préfères quoi? On veut de l'action! Passons par les quartiers des gardes. Allons-y doucement. Oh merde, ça marche, mec. Je surveille les arrières. Ah, franchement, 64, ici Delta 2. On est en route, à vous. Bien reçu. Quel bonheur! Quel bonheur de jouer à ce jeu, franchement. Oh non, quel bonheur ce jeu. Enfin! Les autres voulaient de l'action! On est dans la prison! C'est des exclus! C'est des exclus comme ça qu'on veut sur console! Voilà, c'est des exclus comme ça de l'action! T'as compris, c'est sur le feu! Avec attends, nouvelle porte! Si le commandant savait que j'étais venu chercher, je serais vraiment dans la merde. Bon, allons-y. Bon. Non mais quand je joue des jeux comme quand j'ai joué des jeux d'aujourd'hui, franchement, non mais avec le Wokies et One et compagnie. Wow, ça fait du bien de jouer un vrai jeu sérieux. Il y en a bien qui crachent des fois sur Gears of War. Disant que ça tourne en rond, un peu comme les Halo, mais tout simplement c'est parce que ces personnes-là, franchement, ne connaissent pas Gears of War et c'est un fait, franchement. Ils ne connaissent pas cette licence, soit qu'ils ne veulent pas la connaître, ou soit que tout simplement ils n'ont pas envie, ou tout simplement parce que voilà, il est mieux rester sur leur PlayStation, tant pis pour eux, mais franchement, c'est. Gears of War est une très bonne saga, franchement pour moi c'est ma saga de cœur, vraiment. C'est la meilleure saga de jeux vidéo ever pour moi, c'est vraiment.
travail, il y a un corps riche et intéressant. Et pour moi, en tant que gamer, en tant que ex-gamer, en tant que mon avis personnel, ça n'engage que moi, je tiens à le dire, je préfère largement Gears of War à God of War, tout simplement car au moins, c'est un truc plus original. God of War, c'est un gars qui tue des... c'est un dieu qui tue d'autres dieux à les perdre. Pour moi, ça valait pas très haut de gens en partant. Encore un. C'est ça qu'on veut de l'action. Mon avis, en tout cas, sur la Xbox Series X, sur Gears of War Ultimate Edition, c'est beau en cri sérieux, c'est beau en esti, puis en plus, c'est fluide, non, mais wow. Bon. Je pense que Gears 5, je pas prêt encore pour Gears 5. J'ai quasiment envie des photos de faire un marathon de Gears of War de mon côté, ouais, franchement, je suis dû, fait longtemps que j'ai pas fait ça, ouais. C'est une très belle saga, Gears of War, c'est sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison? C'est une saga qui a marqué la pop culture à sa façon, sérieux. Marcus, prends les grenades. Marcus prend une grenade, ouais. À l'attaque, ouais. Sortez une grenade maintenant. Ça là, c'est un vrai jeu là. Accueillons-les dignement. Ah merde. Moi je vous dis les potes, la première fois que quand le jour que constructeur de jeux vidéo va nous faire une console en forme de rond, en forme de triangle, on va générer parce que faut être bon en maudit pour faire ça là. Ouais, c'est... Accueillons-les dignement. Oui.
Forcer. Marcus, faut qu'on monte dans le faucon. Vite! Les gens de gros scorpions. Allez, allez, allez! Ouais, on repose. On va voir, ouais, bon. Ah, c'est ça, c'est les forcettes, les gros sarignies, ouais. Ah, c'est ça, c'est le voir, là. Les forcettes. La vie, tout est parti dans le jeu. Bienvenue dans l'escouade, Delta. On va où, là? Place Emery. Le colonel Hoffman nous y attend. Hoffman. Ah, super. On va bien se marrer. Hé, hey, c'est toi, le fameux Marcus Fenix? Celui qui s'est battu à Schofield? Ouais. Waouh, cool! Pas vraiment. Déshonore l'uniforme. Tout elle est bonne à prendre en ce moment, hein? Poussez-vous! Lieutenant, j'ai une bonne nouvelle! On va finir cette guerre une fois pour toutes. Eh oui. Mouvement ennemi détecté à proximité, colonel. Oh. On a maintenant la bombe lumière. On anéantira cette vermine d'un seul coup. Pour l'utiliser, il nous faut des coordonnées précises. C'est là que le résonateur entre en jeu. Ça permet de cartographier leur tunnel pour les frapper en plein cœur. Là, ça va parler. Oh oh. On a perdu contact avec les soins d'Alpha. Ils étaient d'ici. Alors, le résonateur et la couverture aérienne. Mais vous rigolez, c'est vous les renforts. Plus que deux. Les nématistes empêchent nos coucous d'accéder à la zone. Vous serez à pied. On est foutu. RS, mais le lieutenant vous fournira toutes les infos. Bien, colonel. Mais il est plus que temps de partir, non? Oh, tout est clair. J'attends de vous que vous vous surpassiez, Phoenix. Je fais pas ça pour vous. Gueule. Renfort ennemi! À couvert! Oh, il est pas, je peux me faire un petit marathon. Bonjour, Delta. Très belle saga Gears of War, sérieux là. Ma licence préférée. C'est pas trop rouillé. Bah, on verra bien. Wow.
J'ai aucune cible. Ne plus. Quoi que c'est qu'il attend, il ne plus, je pense, ouais. À moins qu'il s'est caché. Je pense qu'il s'est caché, ouais. Ah, waouh. Génial, un bug. Non, ouais, je vous confirme, c'est un bug là. Il dit pas que demain, des fois, c'est pas dans le gris quand ça arrive là. Compris Delta, continuez. Je vais ouvrir la porte, j'ai le code. Un avorton. Thank you.
Attention, ça va péter! Amenez-vous! Oh wow. Là je me joue ce là, ouais. Roll, ici Delta. Escouade Alpha en vue. Perte probable. Bon. Pas de résonateur. Compris Delta, continuez. Je vais ouvrir la porte, j'ai le code. Retourne dans ton trou. Hey boy, ok, ouais, c'est quoi, j'étais en mode de recul, putain, je pense, ouais. Ok, ouais. Roll, ici Delta. Escouade Alpha en vue. Perte probable. Pas de résonateur. Je pense que c'est le 60 images secondes qui fait que c'est. Ouais. Différent côté con gameplay. Ouais. Non, c'est bon. Ouais. Prix Delta, continuez. Je vais ouvrir la porte, j'ai le code. Peut-être Alpha. Plus de plaques. C'est le résonateur ? Non. On fait quoi ? On ramène le résonateur. Marcus. T'en penses quoi ? Je pense que ça pourrait être Alpha. Ou peut-être un piège, dit Locuste. On va en avoir le cœur net. L'intérieur du palais des souverains. Notre prochain objectif est le palais des souverains. Tout droit. Une troïka.
Un abandon. Enfin, un vrai jeu. Tu passes à chiot et ensuite tu fais ça, c'est vraiment une crise de différence. Et ta mère, on n'est pas dans le niveau, on va pas en tout cas tout le temps. Non, mais t'es sérieux, okay? J'ai mis. Si, c'est quoi ça? J'ai mis un recul pour ça. Comment Gizmo, est-ce que ah ouais, un don? Rapide là! Ah, wow! Bouchons-les! En même temps, je vois 60 images chaque seconde à ce jeu. Je rends pas joli! Plutôt, il y a un double up plus intelligent. L'état-major a tout essayé, rien ne marche. Si les locustes veulent sortir, ils sortent.
Je faisais des cauchemars sur ces trucs quand j'étais môme. Je crois qu'il va falloir se séparer. Phoenix, tu vas à gauche avec Carmine. Donnez-moi à droite. À vos ordres. Sur ce, les potes, ça va être pas mal tout pour cette petite vidéo. Franchement, je suis content de streamer ce jeu. Je faisais un bail que j'avais pas joué. Pour moi, les Gears of War est une saga que j'apprécie. Pour moi, c'est ma saga préférée du jeu vidéo ever. C'est même la saga qui m'a fait passer à l'Xbox à l'époque. Franchement, c'est... Voilà, c'est surtout que depuis la PS3, j'avais moins d'affect pour la marque parce que, sachant qu'ils faisaient les mêmes jeux, des remasters, des jeux de PS2, j'ai trouvé ça juste un peu con, franchement, que c'est mon avis. Et au lieu de faire la rétrocompatibilité, franchement, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les joueurs pour des caves, franchement. Et sur ce, les potes, c'était pas mal tout ce que je pouvais vous dire, franchement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez un abonnement à ma chaîne, si mon contenu vous plaît, franchement, ça fait du bien de jouer à Gears of War. Franchement, ouais, je pense que je suis dû pour un marathon Gears of War. Sur ce, c'est Gizmo64. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, si mon contenu vous plaît, bien sûr, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. C'est Gizmo. Allez, ciao tout le monde. À très vite. Ciao.